Stéphane Debac fait ses premières armes à Lyon, sa ville natale, dès l'âge de 16 ans. Son professeur d'art dramatique l'intègre à 18 ans à la compagnie Skinner pour le spectacle Caravan the Rail, dans le rôle d'un jeune Méphistophélès. L'apprenti comédien quitte Lyon pour Paris en 1995, avec en poche un livre reçu pour ses 15 ans. Comédien, du rêve à la réalité de Serge Rousseau. Des mots qui résonneront longtemps, passant des cours Simon à l'atelier Andreas Voutsina. En 1996, il est choisi pour CNET, une émission à sketch diffusée sur Canal+. En 1998, il écrit et joue ses propres sketchs pour le nouveau petit théâtre de Bouvard rebaptisé Bouvard du Rire et diffusé sur France 3. En 1999, il fait ses premiers pas au cinéma dans un long métrage sud-coréen inédit en France et intitulé Interview, Dogma Croisillon 7, réalisé par Daniel H. Byun, le film n'ayant pas été distribué en France. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'il le découvrira en achetant le DVD sur eBay. S'ensuit une alternance de rôles à la télévision et au cinéma. Il a notamment été dirigé par Claude-Michel Rome, dans La tête du tueur, et par Claude Chabrol, L'ivresse du pouvoir et La fille coupée en deux. C'est en 2005 que Raoul Peck lui confie le rôle qu'il a révélé au grand public, le juge Bertrand dans l'affaire Villemain. Depuis, il enchaîne les rôles dans des registres différents, aussi bien Alexandre Vincent, le cynique et répugnant premier adjoint au maire dans La Commune, Canal+, réalisé par Philippe Tribois, que Jérôme, dans la comédie romantique moderne Love de Stéphane Kazandjian ou encore l'inspecteur des affaires social dans Faubourg 36 de Christophe Baratier. Plus récemment, il était à l'affiche de Rosé Noir de Gérard Jugnot et du film Fantastique Jean de Sandra et Hugues Martin. En 2011, il est à l'affiche de deux films. La proie d'Éric Vallet dans lequel il interprète le tueur en série Jean-Louis Morel traqué par Albert Dupontel et dans la comédie La Croisière de Pascal Pouzadou en chef de la sécurité improbable. Fan de Bruce Willis, en 2013 il est à l'affiche de la comédie romantique américaine Girl on a Bicycle, de Jérémy Levenne.